Bonjour à tous, Cash. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Lorsque je dis que la jeunesse gabonaise doit accompagner et soutenir le comité de transition pour la restauration de nos institutions, il ne s'agit pas de faire les t-shirts, les chansons à l'effigie du président de la transition, Oligui Nguema. Non. Et j'espère qu'avec le gouvernement qui va être connu, on va prendre des mesures, même un décret. Tous ceux qui vont faire les atalakula, ou je ne sais pas comment on dit au quartier, on les sanctionne, on les envoie même au Niouf cash. Parce qu'on sait que les militaires sont pragmatiques. Et puis, changeons aussi déjà de mentalité. Avec les histoires, non, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Oligui, c'est un frangin. Je connais le général, et les généraux qui sont à côté d'Oligui Nguema. Ce sont des parents, c'est mon oncle. Mais tu sais que c'est le frère ou la sœur de la vieille, non? Ou le frère du vieux, non? Ou c'est mon oncle, non? Ou il a fait l'enfant avec ma sœur, non? Aujourd'hui, nous aussi devons changer de comportement. Ce n'est pas simplement les postes de nomination. Chacun doit travailler là où il est. Et si vous voulez aider Oligui Nguema et les généraux, que vous soyez leurs parents, vous êtes de Ngoni, vous êtes d'Oyem, vous êtes je ne sais pas de quelle autre localité du Gabon, travaillez bien là où vous êtes. Maintenant, quand ils vont stabiliser le pays, comme vous ne vivez que pour les postes de nomination, on va maintenant vous nommer. Et j'espère que les conseils des ministres qui vont arriver, on n'aura plus systématiquement les nominations, mais des mesures pour améliorer notre vie au quotidien. Dernière chose, les Gabonais attendent du comité de transition pour la restauration de nos institutions des mandats d'arrêt internationaux. Il y a des anciens collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba dans son cabinet, dont le tristement célèbre et très connu Meksan Akrombesi. Les Gabonais se posent la question de savoir est-ce que le comité de transition pour la restauration de nos institutions feront venir M. Meksan Akrombesi pour répondre de certains actes. S'il a eu tout cet argent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, nous attendons. Il y a aussi bien d'autres collaborateurs du président Ali Bongo Ondimba. Il y avait l'Agence nationale des grands travaux. On a lessivé le budget de fonctionnement d'investissement de l'État pour être géré par les agences. Qui sont-ils? Nous, on veut du cash.